à peu près. Et on va s'intéresser à ce que vous faites peut-être le week-end. Vous faites peut-être de la pâtisserie, vous avez le temps de faire des gâteaux. Et on va parler d'un ingrédient, l'un des plus importants d'un pâtisserie. En tout cas, c'est ce que vous croyez, moi aussi, c'est le sucre. Seulement, voilà, vous allez voir, il y a un pâtissier à Paris qui s'est dit, je vais vous faire de la pâtisserie, mais avec un peu moins de sucre. Oh, merci docteur, il est sympa le pâtissier, parce que nous, le sucre, on avait un petit peu peur. L'abus de sucre, bien sûr. L'abus de sucre, en fait, l'idée, c'est qu'il est diabétique, ce monsieur. Il est gourmet, il est gourmand, et il s'aperçoit qu'il ne peut pas consommer autant de pâtisserie, parce que c'est vrai que lorsque l'on est diabétique, hein, ça concerne quand même 3 millions de personnes en France, lorsqu'on est diabétique, on ne doit pas exclure les pâtisseries, mais il faut quand même en limiter la consommation. Et alors, il s'est dit, mais comment je vais faire pour continuer à ne pas manger de pâtisserie autant que j'en ai envie? Donc, c'est son boulot. Mais c'est son boulot. Non, non, c'était pas son boulot. Au contraire, il était dans un domaine complètement différent. Ah bon, moi, je croyais qu'il était pâtissier. Pas du tout. Il était dans un domaine complètement différent. Et le médecin lui dit, écoutez, j'ai les résultats de vos analyses, ça ne va pas du tout. Vous êtes diabétique, il va falloir limiter la consommation. Ah bon, il était pas pâtissier, mais il adorait. Non, non, il adorait manger. Alors, il s'est dit, mais je vais être malheureux. Donc, il s'est dit, bon, mais c'est très simple. Je vais ouvrir une pâtisserie, chocolaterie pour les diabétiques. Et donc, je vais tester. Et il a testé ses produits sur sa famille, sur ses employés et sur lui-même pour voir comment les produits augmentaient le taux de sucre dans le sang. Et il a réussi à nous proposer eh bien, des produits qui sont très, très bons, qui sont accessibles même pour les gens qui ne sont pas diabétiques et qui permettent de limiter l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Démonstration en images. Cette idée de pâtisserie pour diabétiques, elle est tout simplement liée à mon diabète. Au moment où je me suis découvert diabétique, eh bien, j'étais très malheureux. J'étais très malheureux, pas parce que le régime est très compliqué, mais il est surtout très triste. Et j'ai un défaut, je suis gourmand. J'ai commencé à essayer de savoir comment je pouvais me faire plaisir. Je me suis entouré d'un diabétologue, d'un diététicien et d'un médecin. Et de là, on a essayé de voir comment on pouvait faire les choses. Et le premier cobaye, le premier test, je l'ai fait sur moi et sur mon entourage en faisant des gâteaux et en disant ça se passe comment, ça fait quoi. Je faisais une dextrose, c'est-à-dire je contrôlais le sucre dans le sang que j'avais et moi, et mon entourage, et ma famille. Donc j'ai passé un petit moment à piquer tout le monde pour essayer de comprendre l'impact qu'avaient nos gâteaux. Afin d'être plus professionnel, je suis allé à l'école et je me suis formé pendant 8 mois à l'École nationale supérieure de la pâtisserie où j'ai rencontré un jeune pâtissier qui est aujourd'hui mon associé avec qui on a développé cette gamme que vous voyez autour de vous. Nous avons travaillé sur deux choses. La première, c'est la réduction en sucre. On a réduit les sucres au maximum. Et la deuxième chose, c'est l'augmentation des fibres. Alors pourquoi l'augmentation des fibres et pas n'importe quelle fibre? C'est tout simplement pour réduire la vitesse de passage du sucre dans le sang. Ce qui fait qu'on peut manger un gâteau légèrement sucré qui va avoir un impact très inférieur à un gâteau normal, à condition qu'il soit accompagné de fibres. Le choix des farines est très important. Nous, on travaille avec des farines qui sont meulées à la pierre. Pourquoi? Parce que quand on meule une farine à la pierre, on garde le germe. Et c'est dans le germe qu'on a des fibres solubles qui vont légèrement gonfler dans l'estomac, nous donner une impression de satiété, donc on mange moins, et surtout ralentir le passage des sucres dans le sang. Je prends par exemple la pâte à choux. Notre pâte à choux est fabriquée avec de la farine de lentilles. Pourquoi de la farine de lentilles? Parce qu'elle a une incidence sur le passage du sucre et le fait passer beaucoup plus doucement. De plus, dans cette pâte à choux, nous avons supprimé le beurre. Nous l'avons remplacé par l'huile de noisette qui nous permet d'inverser le rapport des mauvaises graisses et des bonnes graisses. Le conseil que je peux donner, c'est surtout de ne pas hésiter à réduire le sucre de minimum de 20%. Ça ne changera rien au goût de votre gâteau, ça ne changera rien à la structure du gâteau, mais ça changera sur votre passage de sucre dans votre sang. Deuxième conseil, c'est dans le choix des farines. Il faut prendre de la farine avec plus de fibres. L'idéal est une farine meulée à la pierre que vous trouverez assez facilement dans les magasins bio ou toutes les bonnes grandes surfaces. Elle est un peu plus difficile à travailler, mais avec un peu de pratique, ça se passe très bien. Mais si en plus on ne sait pas faire ce gâteau, même avec la farine meulée à la claire, il faut aller chez lui. Là. On va mettre l'adresse de... Elle est déjà sur le site, absolument. Donc vous pouvez trouver l'adresse. Et évidemment, ça ne s'adresse pas qu'aux diabétiques, parce qu'encore une fois, le contrôle du taux de sucre dans le sang, c'est très important pour limiter le diabète, mais aussi toutes les maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, et même certains cancers, comme par exemple le cancer du sein. Donc c'est vraiment une autre façon de voir la pâtisserie, la chocolaterie, et puis l'astuce de changer de farine à la maison quand on travaille une tarte ou quand on travaille une pâtisserie. Vous avez goûté, c'est bon? La farine, c'est délicieux.
Mais on retrouve les vraies saveurs. Il n'y a pas d'énormes changements. Non, non, absolument. On n'est pas tout de suite pris par le goût du sucre. Au contraire, on peut vraiment déguster. Et sur les chocolats, c'est extraordinaire parce qu'on découvre des saveurs qu'on très gras, le chocolat évidemment, parce que moins de sucre, plus de gras. Mais c'est du bon gras, le gras du chocolat. Donc tout va bien. Oui, vous êtes sûr? Oui. Non, non, c'est vous avez une ordonnance, c'est autorisé. On ne va pas aller chercher une pâtisserie où il n'y a pas de gras. Ça va être compliqué. Non, non, c'est délicieux. Ils devraient se mettre tous dans la même rue d'ailleurs. Les sans gras, sans sucre, sans. C'est bien ça. Merci Christelle. Avec Mélanie Griffon.